Merci, je dois d'abord rendre grâce à Dieu qui nous a permis d'être là. Féliciter et surtout remercier ce village mythique de Diamat et qui m'a rendu hommage et qui m'a permis d'être là. Ce n'est pas mon premier séjour. J'ai toujours été aux côtés des femmes, des jeunes, des notables de Diamat pour des questions de développement. Et je suis revenu écouter. Et là, c'est une vision du président Macky Sall qui nous demande d'aller écouter les populations, s'enquérir des problèmes et les remonter pour les solutionner. Je suis venu pour écouter les jeunes, les femmes, les notables, les imams. Mais ensemble, nous puissions trouver des voies et moyens pour le développement, d'abord local du village, la commune de Molomp, mais surtout du département de Bignona. C'est d'abord cette question récurrente d'emploi des jeunes, cette question de développement, l'accompagnement des femmes dans la transformation, mais c'est surtout l'électricité. Et je pense que bientôt, ça sera un mauvais souvenir, parce que nous avons vu l'implantation des poteaux. Nous avons vu quand même que la Sénélec était là pour effectivement faire un travail, travailler avec les populations, avec le comité du village. Et je pense que bientôt, ça sera un mauvais souvenir. Et c'était un pari du président Macky Sall que la communalisation universelle, ce n'est pas un vain mot. Il faut accompagner avec des services sociaux de base. Il faut qu'il y ait l'eau. Il faut qu'il y ait l'électricité, il faut qu'il y ait la santé. Et c'est pourquoi nous avons tenu à être là pour être avec les populations. De quoi il s'agit ? Bon, je n'aime pas trop dire ce que j'ai... Mais comme ils l'ont dit publiquement, donc je suis venu accompagner parce que on a fait part des difficultés au niveau de la grande mosquée pour les prières à cause des fortes pluies. Et donc j'ai amené des ingrédients pour un peu... l'électricité pour régler ce problème. Mais pour les jeunes, c'est de les accompagner dans les activités donc, de sportives, donc en les dotant des jeux de mots et des ballons. Et surtout, accompagner le congrès dans le cadre des produits alimentaires. Mais surtout, accompagner le congrès, comme c'est le premier congrès, c'est ma modeste participation pour que le congrès ait un socle. À part de cela, qui peuvent se développer. Il y aura des cotisations. Donc, par famille, par personne, par fonctionnaire, mais je crois que c'est ma partition. Et tout cet argent va aller pour le développement du village.